Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Horizon, votre magazine dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap. Le PRIT de Guadeloupe, le plan régional insertion travailleurs handicapés, a organisé au mois de septembre le premier salon du handicap Cap sur l'emploi au Gosier. L'événement a attiré les foules et a permis aux personnes en situation de handicap d'aller à la rencontre de potentiels employeurs, un vif succès salué par les exposants comme les participants. Certains dispositifs ne vont être accessibles que parce que la MDPH aura dit « oui, tu as besoin de ça ». On part d'un constat où il y avait un besoin d'améliorer l'accompagnement. Des personnes avec des handicaps moteurs ou encore invisibles, des visiteurs du salon qui étaient nombreux pour ce premier rendez-vous du genre. Des personnes en situation de handicap, bien sûr, mais aussi des employeurs à qui il convenait de rappeler l'intérêt d'embaucher des compétences dans leurs entreprises. Ainsi, de nombreuses offres d'emploi étaient disponibles à ce rendez-vous à travers des agences d'intérim, de formation, le Pôle emploi, des entreprises privées et des organismes publics qui se sont investis dans ce domaine. Les objectifs étaient d'informer pour se projeter dans un parcours professionnel avec son handicap, renforcer les passerelles entre acteurs afin d'optimiser l'accompagnement des parcours professionnels. De plus, plusieurs tables rondes sont venues rythmer cet événement qui a, on peut le dire, trouvé toute sa place sur notre territoire. L'ESPO ESRP Émergence est un organisme spécialisé dans la formation et le reclassement des personnes en situation de handicap. Si les stagiaires de cette structure bénéficient d'un accompagnement spécialisé, ils réalisent parfois des projets en commun, comme cette pièce de théâtre « N'en dis pas plus », jouée par les stagiaires et personnel. Se découvrir des talents, se libérer des freins psychologiques, entre autres, les acteurs participants au projet de représentation théâtrale « N'en dis pas plus » ont tous reconnu les bienfaits de cet exercice. Le théâtre, c'était vraiment un moment d'échappatoire, un moment qui m'a permis de revoir une autre Sabrina. Par rapport à mon handicap et par rapport à mon état de santé, j'étais un petit peu renfermée, donc ça m'a permis de m'exprimer davantage et de voir les choses autrement, d'avancer et de me dire que tout est possible. Et grâce au théâtre, j'ai pu collaborer avec mes collègues et passer un moment agréable puisque ça nous a permis de nous exprimer. Pour celles qui ont une crainte, de passer cette crainte et pour moi de m'exprimer et de montrer effectivement que le handicap n'est pas la fin en soi. L'ESRP est une structure médico-sociale de formation et de reclassement professionnel placée sous la tutelle de l'ARS et destinée aux personnes en situation de handicap. Depuis 2011, l'ESPO ESRP Émergence, unique en Outre-mer, propose des formations qualifiantes et adaptées à toutes les personnes reconnues travailleurs handicapés. Exprimer leurs compétences par le théâtre, voilà une façon de convaincre les employeurs. Cette année-ci, nous avons décidé de mettre en place une représentation théâtrale uniquement avec nos stagiaires, donc où chacun pourrait découvrir son potentiel. Nous avons commencé nos répétitions au mois de septembre à raison de 3 heures par semaine. Et bien, voilà le résultat. On sait que ces personnes sont victimes de discrimination, notamment à l'embauche. Pourtant, il y a des lois qui existent pour lutter contre cette discrimination. Donc, nous devons faire en sorte que les employeurs aient confiance en ces personnes. L'employabilité des personnes en situation de handicap, finalement, comme pour tout, on peut aussi en parler avec humour. Pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la compagnie Les Cadarolles a présenté sa pièce de théâtre « Handicap ou quand l'assaut s'en mêle » à la salle Robert Loison du Moule. Cette création originale aborde avec humour la question des préjugés liés au handicap au travail. Depuis 2016, la troupe de théâtre Les Cadarolles s'implique dans des actions de sensibilisation et s'investit dans des événements en lien avec le handicap auprès des entreprises. Devenue depuis compagnie de théâtre, elle propose un focus humoristique sur le handicap au travail. L'objectif de cette pièce de théâtre qui s'intitule « Handicap ou quand la sauce en mêle » était déjà avant tout de sensibiliser le grand public. Alors j'insiste sur le grand public parce que jusqu'à maintenant avec Marianne Fifi, nous menions des actions de sensibilisation dans les entreprises depuis 2016 dans le cadre de la SEEPH, la Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes Handicapées. Mais nous voulions élargir parce qu'une personne en situation de handicap, c'est toute l'année.
Et puis le handicap peut toucher tout un chacun du jour au lendemain. Deuxième objectif, de lutter contre les préjugés, faire en sorte que le regard des personnes change, qu'il y ait plus de bienveillance. Et puis enfin, troisième objectif, et je pense que ce soir, ça a été atteint à entendre justement le public, c'était de rigoler, passer un bon moment, se faire du bien. Avec Handicap ou Quand la sauce en mêle, Carole Lolia et Marianne Fifi mettent en scène un spectacle dont les messages vont en toucher plus d'un. J'ai beaucoup aimé cette pièce parce qu'elle nous a permis de voir en fait les situations que les personnes en situation de handicap vivent tous les jours sans que nous-mêmes on le voit en fait. Et je me dis que maintenant qu'on a vu cette pièce, on va peut-être être plus attentif à ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cette pièce. J'ai un handicap, je suis malentendante. Je lis sur les lèvres. C'était super. C'était rigolo, c'était intuitif, c'était avec un message très fort et très porteur. J'ai beaucoup aimé. C'est une pièce qui est originale et puis de toute façon qui est en lien avec notre réalité, notre quotidien. Et qu'il faut vraiment, devons faire attention à nos préjugés et surtout le regard que nous avons vis-à-vis des personnes qui semblent être différentes de nous. Ce sont des personnes qui ont les mêmes besoins que nous. Véritable parodie de la vie associative, interprétée sans langue de bois mais avec beaucoup d'humour, Handicap ou Quand la sauce en mêle entend sensibiliser le public aux problématiques locales de situations de handicap. Un spectacle époustouflant qui permet de conscientiser tout en rigolant, mais les prises de conscience, je suis sûre qu'elles se font naturellement. Et un spectacle pour tout âge, parce que je pense que les messages sont assez éclectiques et on peut quand même entendre ce qu'on a à entendre. En tant que maman d'un adulte autiste, je me suis beaucoup reconnue dans les situations où l'autre ne savait pas, mais jugeait. Alors, le message que je vais donner ce soir, c'est de prendre le temps d'accepter l'autre avec sa différence, visible ou invisible. Mais en tout cas, nous sommes tous différents, quelque part. Et nous avons besoin, chacun, de comprendre ce message pour vraiment rester unis dans ce monde. On a besoin d'union. On le dit souvent dans cette émission, le handicap n'est pas un frein à l'emploi. Si malheureusement les a priori négatifs sont nombreux, les exemples de réussite le sont tout autant. Illustration avec Anthony, atteint d'autisme et qui s'épanouit comme journaliste à France Antilles. C'est en juin 2022 qu'Anthony Bastien-Capsa intègre la rédaction du quotidien France Antilles. Diplômé d'une licence en urbanisme et d'une licence en sociologie obtenue au Canada, cet ancien élève de la maîtrise de Massabielle a tenu pendant longtemps un blog, d'où son goût pour l'écriture. Je me sens à l'aise, j'aime écrire, et de toute façon, comme j'avais un blog d'urbanisme, c'est ça qui m'a conduit par hasard vers ce métier. Le syndrome d'Asperger dont souffre Anthony affecte essentiellement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres. Mais dans son métier, il le dit lui-même, cela se passe plutôt bien. On m'apprécie beaucoup. Ouais. Et quand tu vas sur le terrain, quand tu es parfois reporter, Comment ça se passe? Ça se passe bien. Il m'arrive d'interroger les personnalités que j'ai connues de ma jeunesse, comme Admiralty ou Chris. Ouais. Et j'ai eu la chance de cette chance, c'est une véritable opportunité. Et comme j'aime bien parler, j'apprends un peu ce que font les personnes que j'interroge et j'apprécie ça. L'arrivée d'Anthony à la rédaction de France Antilles est un vrai parti pris des rédactrices en chef du journal qui avouent s'être heurtées au début à certaines hostilités. Ça s'est fait tout naturellement. De toute façon, c'était un choix assumé. C'est moi qui l'ai reçu, c'est moi qui ai fait l'entretien d'embauche. Je dis bon, voilà, oui, son profil nous convient, donc on va l'embaucher. On a fait des essais, bien évidemment, et qui ont été concluants. Donc il n'y avait pas de raison. Donc ça s'est passé tout naturellement. Bon, dire que les premières semaines, les premiers mois, il y a certains journalistes, d'ailleurs qui ne sont plus dans notre rédaction, qui ont clairement marqué leur hostilité. Mm-hmm. Mais nous avons tenu bon, Nathalie mm-hmm. et moi, parce que nous étions sûrs de notre mm-hmm. choix. Et puis, les autres, ça s'est bien passé. Et puis, de fil en aiguille, c'est toute l'entreprise qui a adhéré à notre choix.
Voilà, c'est un sujet, un des sujets phares qu'Anthony avait fait et dont il est fier, parce que... Ça a permis d'éviter les décès supplémentaires. Voilà, mais tu vas aussi voir les rallyes, tout ça. Oui, j'ai été voir le rallye de la montagne l'an dernier, dans la première édition. Ouais, et t'as pas fait que ça, hein. Tu as allé, tu as pas allé dans le truc arrêté, là, avec... Run Trophy. Tu as allé Run Trophy. En octobre l'année dernière. Autonome à la maison, comme en voiture, Anthony veut que son exemple serve à tous ceux qui pensent que handicap et travail sont incompatibles. C'est ce que je leur encourage de faire. Il ne faut pas qu'ils se laissent abattre par les préjugés qu'on a des personnes handicapées. On peut réussir sans être tout en étant autiste Asperger ou même en fauteuil roulant ou malvoyant. Ou sourd. C'est ainsi que s'achève ce numéro d'Horizon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro très bientôt. Au revoir.